Petite vidéo pour mettre les points sur le i parce que franchement on est saoulé par les quelques commentaires qu'on a eu sur la dernière vidéo, donc la vidéo où on fait un concours pour vous faire gagner une station électrique portable et ses panneaux solaires. Vraiment on est écœuré et avec David on a dit on fera plus jamais ça parce que vraiment ça partait d'un bon sentiment, parce que ça nous rapporte rien et qu'on se tape des commentaires de merde de personnes qui n'ont même pas regardé la vidéo et qui jugent sans savoir, qui savent rien de rien. Et donc, vraiment, ça m'énerve. Donc, je vais essayer de rester poli. Mais juste, voilà, les commentaires, là, juste, c'est pas possible. Et vous savez même pas de quoi vous parlez. Donc, je vais rétablir la vérité. D'une, alors, quand il s'agit de EcoFlow ou All Powers, ce sont des entreprises qui nous ont contactés pour qu'on présente leurs produits. C'est eux qui sont venus vers nous. Pour présenter leurs produits, bah, ils nous ont envoyé les produits. Donc, ils nous les ont offerts. À aucun moment, on est payé. On n'est pas Nabila, on vit pas à Dubaï, les mecs. Hein. Donc, non, on n'est pas payé. Juste, on nous offre le matériel et c'est déjà pas mal vu le prix du matériel, ok? On avait déjà un EcoFlow, du coup, quand All Powers nous a démarché, on va dire, on s'est dit, bah non, on en a déjà un, et puis du coup, David s'est dit, bah on pourrait l'offrir, en fait. Donc on s'est dit, bah on va faire, on en a parlé à All Powers, hein, ils ont dit, bah vous faites ce que vous voulez de la station, de toute façon, on vous l'offre, après vous en faites ce que vous voulez. Donc du coup, et ben voilà, le deal c'était on présentait, il nous offre la station, on la présente en vidéo et ensuite on en fait ce qu'on veut. Et ben nous on a décidé de l'offrir comme des couillons, hein, parce que visiblement, enfin je sais pas, l'ingratitude en France c'est monnaie courante. Enfin je comprends pas ces réactions, ça me met hors de moi là, ça me fait monter la moutarde au nez. Voilà. On n'est pas payé, juste on nous offre cette station et on l'offre en retour. Et bah non, on n'a pas envie de dépenser 150 ou 200 balles en frais de livraison, hein, parce que clairement ça va être ça. Donc et bah, on a fait un système qui nous semblait judicieux, où bah, voilà, les personnes font un don contre une contrepartie. Donc leur argent ne va pas non plus aux oubliettes, on va dire. Ils ont quand même un petit lot de compensation, on va dire, s'ils ne gagnent pas. Et voilà, et si on touche plus, bah, à mon avis, ça ne va pas être le cas, parce que visiblement, ce concours, je ne sais pas, il choque beaucoup de gens. Je suis folle, là. Et donc, si on touche plus que ce qui est nécessaire pour payer les frais d'envoi, on les reverse à une association qui nous tient à cœur, puisque vraiment, on ne voulait pas toucher d'argent sur ce concours. Donc, juste merde, quoi. Merde, je vais m'arrêter là. Parce que juste, c'est pas possible ces commentaires à la con. Donc non les mecs, non on n'est pas payé. Et oui, on offre bien le lot, d'accord. On a fait d'autres partenariats. Je vais aller au bout de l'explication, hein, parce que comme ça, ça arrêtera vraiment les commentaires à la con. Bon, ceci dit, comme je disais à ces... à ces gens, ça se fait des commentaires, ça fait marcher l'algorithme. Donc merci, hein, merci les mecs. On a fait des partenariats avec Matériaux Naturels et Josmose. Alors là, pour le coup, c'est nous qui sommes allés à leur rencontre, c'est nous qui les avons démarchés, puisqu'en fait, c'est des produits qu'on voulait utiliser. On voulait les acheter pour notre innovation et on s'est dit, bah, on va y aller au culot, on va leur demander. On a une chaîne où il y a pas mal d'abonnés et bah, peut-être que voilà, ils vont nous offrir des choses, ils vont nous faire des prix. Et voilà, de toute façon, on a besoin de ces produits et puis bah, s'il n'y a pas de deal entre nous, bah, on ne citera pas la marque et puis c'est tout. Et ils ont accepté. Ils ne nous ont pas payé non plus. Ils ne nous ont pas offert les produits. On a eu de la remise. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on est un YouTuber avec une petite dizaine de milliers d'abonnés, qu'on n'est pas Nabila et compagnie qui vit à Dubaï. Donc, redescendez les mecs, d'accord. Arrêtez votre jalousie, parce que, enfin, à un moment donné, ça peut être que ça, quoi. À la limite, tu peux penser des choses comme ça, mais tu as besoin de l'écrire sur Internet, t'as besoin d'aller défoncer les gens. Nous, vraiment, on fait ça avec le cœur, quoi. Et on se prend des commentaires à la con comme ça. Mais vous vous rendez compte, en fait? Donc, voilà. Donc, le concours, il continue. Si vous avez envie de participer, participez. Les conditions sont claires. Voilà, si vous voulez participer, il y a un minimum d'argent à engager, de 25 euros, contre lequel vous aurez une contrepartie. Il suffit d'aller voir sur notre page Tipeee. Et puis voilà, et puis si vous êtes tiré au sort, et ben, vous recevez la station et voilà, et vous en faites ce que vous voulez, comme nous on en fait ce qu'on veut suite au cadeau d'All Powers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc merci d'arrêter vos commentaires à la con, parce que vraiment ça mine le moral en fait, de se dire qu'on fait des choses voilà, pour partager en fait.
avec les autres. Parce que ces produits, si on nous les propose, bah c'est parce que voilà, vous êtes des dizaines de milliers à être abonnés et c'est grâce à vous. Donc ce produit en soi, on n'en avait pas besoin. Bah, on a eu envie d'en faire profiter quelqu'un d'autre. C'est tout. Sans se faire du fric sur le dos des gens, tout simplement. Et non, d'une, on n'est pas payé. Et de deux, on dit ce qu'on veut en fait sur le produit. On n'a pas un scénario à suivre ou quoi que ce soit. On a envoyé la vidéo la veille, bah, là pour le cas, l'avant-veille à All Powers. On l'a publiée en secret et on leur a donné le lien. Ils ont regardé la vidéo, ils ont dit ouais, c'est super, on l'adore. Et puis basta quoi. Alors évidemment que si on avait eu que de la merde à dire sur le produit, bon bah ils nous disent bien. Quand on échange, bon bah voilà, si vous avez des problèmes avec le produit, s'il y a des choses qui vont pas, enfin n'hésitez pas à nous le dire, on en discute quoi. Pas faire une vidéo qui va nous massacrer, forcément, ils offrent un produit, ils n'ont pas envie de se faire massacrer, c'est normal. Donc bien évidemment qu'on va pas faire une vidéo assassine sur un produit qu'on nous a offert. Et certainement qu'il y aura une négociation, on leur a dit, bon bah non, vraiment, enfin voilà, ça va pas, c'est pas possible de faire la vidéo, et peut-être qu'ils auraient récupéré leur produit. Ou pas, j'en sais rien, ça leur a peut-être coûté trop cher, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que, enfin voilà, on n'a rien de négatif à dire, on va pas inventer du négatif s'il n'y en a pas. Les points positifs, les points négatifs, on les dit, et puis vous vous faites votre idée, quoi. Point. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui font des gentils commentaires positifs, ou du moins. Du moins juste quoi, et qui s'imaginent pas des choses et qui partent du principe que c'est comme si, c'est comme ça, qu'ils nous inventent une vie. Non quoi, non, nous on se montre tel qu'on est, et voilà. Et non, non, on se fait pas passer pour des baba cool. Déjà c'est quoi ce mot des années 70? Non, c'est pas parce qu'on écoute du reggae qu'on se fait passer par des baba cool. On n'écoute pas que du reggae non plus. Sur la chaîne, on a commencé par du reggae. On s'est dit, eh ben, on va continuer dans la même veine. Mais si tu veux, je te donne ma playlist pour que tu vois que j'écoute pas que du reggae et que je suis pas une baba cool. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter les commentaires à la con comme ça, quoi. Surtout quand on a un certain âge, qu'on s'appelle Alain, je pense qu'on n'a pas 20 ans non plus. Donc voilà, les mecs. Juste arrêtez d'aller défoncer les gens sur Internet. Trouvez-vous une vie, trouvez-vous une occupation et tout se passera mieux pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et un bon coucou à ceux qui voudront participer. Voilà, bisous.